Médecin Natus, bonjour. Bonjour, sénateur. Bonjour, bonjour, guerrier, bonjour, Bobsé, bonjour, Pierre Runel Ruiné, bonjour aux auditeurs, auditrices de Radio Caraïbes, nos salutations spéciales pour tout le monde qui est dans l'Ouest, particulièrement, le monde qui est dans Bel Air, le monde qui est dans Maya, dans Delma. Captain d'émission. Son plaisir, on est disponible pour nous. Mm-hmm. Et avant de venir sur ces questions, ça va permettre qu'on fasse peut-être même genre avec M. Joseph Joël, lui qui lui-même a élaboré sur ce contexte global là, qui selon lui-même pas prêté à l'organisation prochaine élection. Et c'est même constat qu'on fait également? Bon, pour le même constat, pas maintenant, aller beaucoup plus, de manière beaucoup plus profonde, dans le sens que moi, président Jovenel, il était égal à lui-même, dans la velléité, pour le occuper IA vers une dictature, pensant que les pas en 2020, lorsque le président Jovenel s'apprase les parlements, malgré le parlement, pas le parlement qui va être résultat, parce que nous avons un paquet de monde qui était nommé, qui était élu là-dedans, qui n'a pas de responsabilité, il y a un peu de monde qui était fermé bouche, parce que vous êtes estimé, le Parlement n'est pas utile, mais le théâtre n'a pas l'an, président Jovenel, et rapidement, ou après, à exécuter, devine un code pénal, dépose code pénal voxal pour finir avec le PIA, rapidement, ou après, le vini à question constitution qu'il doit changer pour le mettre à vie au pouvoir, rapidement, ou après, le vini à question élection qu'il doit organiser pour le renouveler tête li, parce que le pensée lui doit faire deux mandats, dans l'état lié là, l'état de faiblesse, que lui est là, pour le faire deux mandats successifs. Donc, lui n'a plan, jusqu'à présent, lorsque hier, lui présenté par les populations, même pas d'installation, lui présenté dans le palais national, neuf citoyens et citoyennes, que pasteur Jacques N. Janvier, dans la fédération protestante du Grand Nord, qualifié de mort, il a fait cérémonie finale derrière, il a fait funérailles, mon saillot en devant national. Moi-même, je constate, lorsqu'il dit à la police pour une baille sécurité, à mon saillot qu'il a chanté funérailles hier. Aussi simple que ça. Il y a un monde qui accepte de dire pour prendre le four et main dans la caisse de l'État pour organiser l'élection. Ou du même conseil électoral, ou lit article 194 et suivant, constitution qui dit, ou de prêter serment. Même lorsqu'on pacte, on lit, mais on est, tout le monde qui était passé dans le CEP avant, il est passé devant la Cour supérieure, la Cour de cassation, qui a prêté serment. Mm-hmm. Ou comme ça. Bon, pour les cassations hier, comme féliciter. Tout jugeo, et y'a m'touité m'dit, jugeo, attention, y'a pas de faire cadeau. Moi-même, moi, t'es gay pour me travailler comme sénateur, nous travaillons sur dossier, juge coup de cassation, yo. Moi, qu'on est juge coup de cassation qui l'a, yo, c'est des juges qui à leur place. C'est des juges qui ont pas fait classe cadeau. Et moi-même, sénateur Jean Renel, m'pas t'as quitté au rivé, si m'ta qu'on est au patron pour citoyen. Donc, ben, j'ai un petit garçon dans l'université à que m'te prend. Nous formons des brigades de renseignement parlementaire pour nous voir dans 18 juridictions pour nous questionner, passer tout juste là. On va arriver là. Même Pititio, là, questionner, est-ce qu'on prend trop Pititio? On va arriver là. Je vais regarder, est-ce que Haïtien Sayo, qui est dans le cours de cassation, d'après le pays, pour tout ça? Heureusement, il n'y a pas quitté ça passer. Mais le président Jovenel lui-même, le chef de funérailles de la base nationale, c'est avec la gueule. Mais tout le monde connaît, beaucoup de conseils électoraux, dans le pays, tout le monde connaît, pour des comptes à débloquer quoi, pour des monde qui n'ont pas prêté serment devant la Cour de cassation, la Constitution prévoit. Donc c'est un bagage morné qui dit là, c'est un message, président Jovenel, vous le voyez, par certaines ambassades. Qui dit a sanctionné s'il pas fait élection et lui-même lui connaît, il est obligé de mettre à genoux, ça voyait des signaux clairs qui montrent qu'il voulait faire élection. Mais
moins clair, 400% que le président Jovenel connaît, ça l'a posé là, c'est des actes pour la galerie, mais pas une élection vraiment qu'a fait en Haïti. Non, il t'a ça. Ok. On a regardé côté anticonstitutionnel que Apil Mon a évoqué par rapport à la création du Conseil ça. Et on a sous formation du Conseil en lui-même. Qui ça vient comme argument pour dire que la façon que le formé là, c'est pas comme ça, il était prévu ou il était doué formé. Moi, je m'en fais un peu de logistique. Et pour moi, travail constituant, parce que dans le texte constitutionnel ou dans le texte de procédure, l'esprit compte tout comme la lettre compte. Mais il y a toujours primé la lettre sur l'esprit. Là, c'est le professionnel du droit qui vous parle. En logistique, si on analyse l'article 289 constitution, on va prendre dans l'esprit constituant. La chercher une harmonisation des esprits en tant que pays pour nous qui a amené dans l'élection. La chercher une représentativité au niveau de chaque secteur pour dire élection préalpétio, c'est des élections qui sont potables, qui sont acceptables. C'est de chercher harmonie, ça, qui veut la chercher des secteurs clés au niveau de la société. Pour le dire secteur saillot, yo doit participer dans mon TCEPA de telle sorte que les résultats des élections capables d'un résultat qui empourprait d'une certaine légitimité. Dans l'article 289, on va pouvoir citer ce secteur-là, il faut que l'université a la donne, faut que l'église catholique la donne, faut que l'église protestante la donne, faut que l'autre la donne, faut que l'étoile de l'homme la donne, etc. Parce que le plaît, que tout secteur clé dans la vie nationale là, lui représenté. Maintenant, le président Jovenel passe outre. Il passe outre, et M. Sotin de Bob qui fait allusion à l'article 239.2a, que moi-même, moi, je lis depuis avant-hier. D'abord, comme député Joël Sotil, pour nous rendre compte que nous sommes en situation exceptionnelle. Oui, oui, oui. C'est sénateur, situation exceptionnelle, solution exceptionnelle, m'a d'accord à vous, c'est là où vous avancer. Vous évoquez dans l'esprit constituant. Et oui. Dans même l'esprit constituant, vous avez été imaginé que vous arrivé là, secteur clé que vous avez parlé, vous avez pensé qu'à n'importe quel moment, pour bloquer le processus, vous avez bouillé Zel 4 là, vous avez récalcitré, ou bien vous avez capable de rentrer, même si vous faites appel avec vous. Et ça fait que, même constituant ça, vous réfléchi sur l'article 289.1 que le président Jovenel Moïse lui-même, il volait au secours. Non, mais ça pour nous. Question, et président Jovenel par PNG, je vais parler du Conseil national de gouvernement. Et là, on parle des exécutifs, ça, en logistique, le renvoi favorable, Yo dit, non, article 289.2a, l'exécutif qui t'a tient lieu de CNG, ou bien le CNG. Maintenant, on dit, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Oui. Mm-hmm. Et puisque nous sommes dans une situation exceptionnelle, côté que constituant, dans la psychologie texte, il a cherché l'harmonie, il a cherché l'acceptation des résultats, l'acceptation des travaux de cet organe, organe théorique, et CEPA, qui s'en a président, premier ministre de fait, c'est chercher le plus grand, comme dire, la plus grande appropriation possible au niveau de la population de l'organe ça pour avancer. Donc, que l'on veut ou non, on passera par le shit attendé, entre guillemets, ça doit être une autre population pour arriver là. Mais non pas si le président c'est qu'à essayer, il n'est pas privé. Si le président essaye, il va arriver, donc le président doit être pris au diplôme de incapable. Parce qu'il est le président de la République, en tant que tel, c'est lui pour lever le pire que tout citoyen, pour au moins shit à faire, l'arrivée faite, pour nous faire un consensus, pour nous monter CEP. Et monter CEP pour faire qui ça? Pour élu Moun. C'est bien, mes chers amis. Je viens de participer à une 50e législature que jusqu'à présent, le sénateur empêché. Yo dit,
Sénat ça n'a pas de bon parce que nous acceptons trop voler arriver là-dedans, trop d'obstinés arriver là-dedans, trop contrebandiers arriver là-dedans, trop tout qui parle le pays arriver là-dedans. Nous disons, j'aime député à pas de travail parce qu'il y a un peu de paru ce qui est là-dedans. Moun sa yo élu et société a dit, il parle mais yo. Bien ma parole, on est n'est pas même ce qu'il dit, sénateur, sénateur, c'est parti, non, ben, sénateur, Bayakou. Parce que parle mais moun sa yo, qui est en bas. Maintenant, où dit moun faire élection pour faire qui ça? Pour nous renouveler, même moun sa yo. Moi, pense que c'est important pour nous chita en vent, pour nous dire qui sénateur nous voulons. Qui député nous voulait, qui président nous voulait, qui magistrat nous voulait, pour en, nous mettre une condition chita en vent, et puis ça nous a parti pour l'élection. Mais le président Jovenel a couru lui-même, parce que ça a fait là le bon pour lui. Il faut que nous stoppions les listes. Et me compter la Cour de cassation, stopper hier. Parce que c'est pouvoir qui aurait été pouvoir. Moi, je dis, il y a un petit sénateur en bas. Président Jovenel, quand il y a un grand pour lui. Parce que c'est besoin d'arriver là. D'accord, c'est Antoine Senatus. Sénateur Senatus. On essaie d'évacuer et ça, parce que même d'ABC prend au point par point. Par exemple, sous formation conseil électoral provisoire, ça qui là. Donc, ou mentionner CNG, et il y a des gens qui croient tout, c'était noté doué. Gagner un seul conseil électoral provisoire, mais nous avons gagné là, par contre, si c'est une trentaine ou une vingtaine, hein, et déjà. Donc, est-ce que, selon nous vous. Nous venons tomber non permanent provisoire. Oui. Okay. Le côté illégal oui. De ces on a, actes. On a le gars de côté illégal. Le président posé à côté illégal, li. On attaque avec sous des formation a. Conseil électoral provisoire, yeah. Ça, l'en tenu compte de l'article 289, là. C'est vrai que, non, article 289, là, grossé, c'était clé que. Il m'a dit pour le faire appel à avec nous. Appel à yo. Et c'est que l'article 289-2 à lui-même. Et encore où ça a été refusé, le président de la République qui t'a monté en CEP après un large consensus populaire ou avec les secteurs clés de la société qui arrivait devant obstacle ça, l'État doit au moins capable de la population, mais qui est virilé et qui abstenu. Tout secteur qui n'est pas représenté dans le CEP ça, il n'y a pas participé dans le CEPA. Il a posé des conditions pour participer. C'est pas attention que ça y est. Rappelez-nous conditions, rappelez-nous conditions, Metsenatus. Conditions, une condition que je dis, pour y participer dans l'élection, il faudrait dire bien que yon chita attendait qui fait entre population avant, avant qu'il y ait l'élection. Et là, d'accord avec yo, dans la mesure où yon dit les mêmes causes, produisent les mêmes effets dans les mêmes circonstances. Si je dis, y a, nous t'avons un CEP là qui est obligé à aller. Et on met le prochain CEP Bélanger à Sorvlé au prochain, mais c'est un CEP qui se débat pour le bail au travail et qui a un caractère, qui est estimé en caractère du conseil électoral. Il y a un problème avec vous. Par exemple, du côté aussi lâche. Du côté, il y a un problème avec vous. Parce qu'on fait 4 ans d'approcher comme l'État, il va se faire. Mais, vous avez regardé Hercule Caloche, vous avez regardé Léopold Bélanger, vous avez regardé les amis dans le droit de l'homme, non. Moi, je pense que les gens ne doivent pas connaître de ces bons secteurs. Mais je dis à tout secteur, ça y est tout, il y a des chirés pites entre eux. Moi, pour le secteur protestant, il va voir les pasteurs qui. C'est-à-dire qu'il y a des chirés pites qui passent sur le côté qui fait. Dans la question.
Mais Sénatus, on va pas avancer en fait qui est très important, c'est le droit, les débats est contradictoires, nous compte ça. Mais et moi t'es qu'à plus d'accord avec ou sous référendum. Non. Référendum dans guerrier, là pas une discussion là-dedans. Si n'a pas aller dans la constitution en respect des normes, référendum là, il paraît inconstitutionnel. Mais la constitution, tout à fait. La constitution, M. Sénatus, est d'application stricte. Constitution n'a pas de débat sous lit. Pas de débat sous lit. C'est même Jean nous, si par exemple, nous dit président plongé dans inconstitutionnalité. Vous connaissez ça, sorti là. Pendant que vous avez le bambou, vous avez sur route là, vous dit des machines plein l'argent. Parce que chaque fois, on est dans un bagage qui paraît logique. Je venais qui t'a envoyé sur le bon, vin mettre l'argent dans des machines ou. C'est ça, pourquoi on est pour le barim sur route pour chercher comme. Donc, si nous apprêtons dans la constitution, même côté qu'on attribue des inconstitutionnalités la décision du président, mais l'article 289.2, il est capable de servir avec comme chapeau. Non. Parce que, vous savez là très bien que l'application, la constitution, les normes constitutionnelles sont d'application stricte. Stricte. Faut que le président tout transforme et en CNG. Vous savez ça, j'en dis. Parce que la constitution dit Bob C. Application stricte, ça veut dire Bob C. Il va dire Dieu, guerrier Dieu seul. On va me dire ce garçon, on va vous placer une ballon. Eh bien, non, inconstitutionnalité, ça fait longtemps qu'on a nagé là-dedans, le sénateur. Oui, nous, bien, net. N'a pas là-dedans. Voilà le problème de ce pays. Et c'est le problème, non, oui. Parce que ça fait longtemps qu'on a nagé là-dedans. Ouais, ça fait longtemps qu'on a nagé là-dedans. N'a pas nagé là-dedans longtemps. Mais le président qui précédait, président Jovenel Yo, qui était une capacité pour gérer les affaires publiques, il était. Pas exception comme mission pour chercher consensus en dans la population. Maintenant, président Jovenel, c'est le président plus heureux qui a passé pendant deux dernières années. C'est le président privé qui a une majorité en dans le Sénat, qui a une majorité en dans la Chambre des députés, qui a monté le conseil électoral permanent. Mais il n'a pas monté. Parce qu'elle était sous mes dames. Qui met dames l'idée, c'est qu'elle était derrière pour se faire trois membres exécutifs. Elle était en bas pour se faire cinq membres en CFPJ qui te mal voter trois membres CFPJ dans le bail là. Et puis le prêt téléphone, la prière, les sénateurs et les députés en bas pour se faire trois membres par encore qui veulent te mal vingé neuf membres. Et c'est une raison pour faire parlement de camper en face lui. Pour le pas de bien, on fait EP de 9 membres PHTK. On dit parlement, t'es campé en face li. Sénateur, on dit parlement, t'es campé en face li. Pendant que t'es en majorité. Non, on dit parlement, t'es campé en face li. Pendant que t'es en majorité. Bah, fais toi comprendre. C'est ça, me dit oui. Son minorité, t'es campé en face li. Ah, mais minorité, t'es campé en face li. Oui, son minorité, t'es campé en face li. Parce que le président, t'es bien 9 membres yo. Pour le 3 membres par yo. Rigue, t'es bien 3 membres CFPJ yo. Parce que t'es 7 membres. Sous 9 membres de SPJO, et au niveau du Parlement, les prêts téléphoniques pour dérouler tous deux chambres pour dévoyer trois mounes par là, encore. Maintenant, la minorité estimée que le pays a pris un coup, les campés en face pour ça. Maintenant, nous avons dit à Bob C, l'application de l'article 289.2, ils ont fait sous CNG, mais dans ce cas-là, ce n'est pas applicable. Maintenant, encore, même lorsque vous avez dit, pas absurdité que légal, les constitutionnels. Mais est la mission. Non, M. Sénatus, CNG1 vraiment, il était fait sous CNG1, mais article 289.2, c'est exécutif là que le bail doit ça. C'est exécutif là. Lorsqu'on dit exécutif ça en logistique, il y aurait ça le renvoi favorable. Au lieu de parler de CNG encore, puisque le CNG est l'exécutif, il n'y a pas besoin de répéter, de dire l'exécutif. Mais ça renvoie au précédent.
à l'article 289. Mm-hmm. Est-ce que là? Mm-hmm. Dilemme, je dis, il n'y a plus de problème dans la guerre. C'est la constitution. La constitution, mm-hmm. on groupe mon tel pouvoir, même pouvoir, il y groupe mon ça, et puis, il y un autre groupe, on l'autre pouvoir, chaque monde râle à tic cap dans l'intérêt pour agir. Il n'y a plus de problème dans le jeudi à l'Assemblée Constitution. Le problème, c'est que, moun kapra les articles, ça y'a pas gardé pays à comme dénomination commune. Yo, intérêt à pas ta état ou intérêt groupe, il a intérêt pays à. Mm-hmm. Imaginons, on conseil électoral ou mettez pour faire élection, ou obligé de camper dans la radio pour dire la police, bali sécurité pour moi. C'est pas beaucoup nous mettez dans une situation difficile. Ou même mettez vie mounio en danger. Si ou est, ou fin nommé mounio, et que la Cour de cassation campé yo, je vais pas prendre des serments, ou filak yo non couloir, palais national, pour si yo, mettez papier et ou mettez en fonction, en marge de la Constitution, ou prenez des serments sous l'IA, ça montre qu'on va l'aise. Mais nos sociétés démocratiques, est-ce que le t'a doué comme ça? Est-ce que c'est pas Jean Société a comment t'as fait promotion pour culte de la pensée unique là? Est-ce que c'est pas sous ça président servi parce que il y a un pile dans même conseil électoral provisoire depuis les nominations en fait sur réseaux sociaux ou elle même Jean Avem et M. Sénatus, il y a un pile menace qui a fait et à tel ancien guerrier et quoi week-end là yo tiré sous local et Zami Timoun qui défenseur plus la donne et moi c'est qui gagne représentant et qui gagne un membre proche lui qui fait partie des conseils électoraux provisoires. Même devrait dire encore c'est pas mon nom les du secteur paysan la constitution guerrier. C'est pas un paysan qui a cherché mettre la dedans non. Mais le représentant c'est un secteur paysan. Les du secteur droits humains c'est pas mon nom du grand. Quand vous prenez madame ça, et madame Mesadio, mettez le coup de droits humains. Même, moi, qu'on a une organisation que les défenseurs sont frontières des droits humains, puis pas de consulter, nous pouvons madame Mesadio à vie. Est-ce que vous comprenez? C'est pas un crime, mon yotoufa, avec un crime, c'est un crime sec que lié, et c'est pour les gens qui ont fait le café comme ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je vais vous donner une bonne question. Menacez pas vous. Attaque contre monde, pas vous. Attaque contre bien monde, pas vous. Moi-même, moi toujours pour l'ordre, moi toujours pour discipline, moi toujours à demander pour rester dans la loi et la constitution. Cependant, yon peuple qui a opprimé, l'Igué doit abattre tout moyen de défense. On peut bien opprimer, l'Igué doit abattre tout moyen de défense. C'est malheureux que ça a privé. Mais là, on garde ce qu'a fait là. Président Jovenel dit nous parlons l'élection. Pendant que la multiplier relation avec des gens qui doutent en de société et qui a même gagné gang. Côté aussi, président Jovenel est le général en chef des gangs en Haïti. Nous avons dit l'élection. Comment le marché dans le quartier populaire? Yo. Pendant que Boka et président Jovenel, quelques mètres. Ils sont tués, maître Louferrier d'Orval, qui est le symbole de l'état de droit, de l'organisation de la société civile. On est qui symbole de la démocratie. Ils sont tués, le Bocaille, président Jovenel. On n'y est pas, je me dis jusqu'à présent. Même des CPJ, pas qu'à d'aller à la police, le cas. Ils sont obligés de voyer, peut-être, monsieur, qui est arrêté, aller à Grange de Bois. Ou dire, on va aller à l'élection. Mais qui élection, on va aller pour ça? Ok. Et Chamet, on a les Kounian, parce que, oui, docteur Stéphane, sur les fonds, c'est pas l'un capable de faire. On a les Kounian sur l'autre aspect, qui c'est, nous évoquons déjà la question, mission que le Conseil électoral provisoire ça, qui c'est organiser référendum, non, qui est interdit par la Constitution. Mais on a les Kounian, ça que fait hier, là, côté que président de la République, là, les présenté à Nation 9, conseiller pendant que la cour de cassation l'y pas recevoir ou bien l'y reporter cérémonie prestation de serment qui ça d'anormal qui se gagne dans ça le fait que la cour des comptes la cour de cassation pas recevoir prestation de serment et président quand même présenté à nation à neuf conseillers les pas ont investiture parce que
moi investiture là avec prise de fonction dans l'article 294.2 constitution l'a dit avant d'entrer en fonction les membres du conseil électoral prêtent le serment suivant devant la cour de cassation je jure de respecter la constitution et les dispositions de la loi électorale de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Jodia, si monsieur Dame Kayo Alchita n'a plus le conseil électoral provisoire ou permanent, il est en état d'usurpation de titre et de fonction. Si il a utilisé papier, il a utilisé l'argent CEPA, yo kal antre nan bagay yo rele association de malfaiteurs et si gen commissaire gouvernement nan Port-au-Prince qui côté siège social siège et social CEPA lié yo doit procéder à arrestation de usurpateurs de titre aussi simple que ça. OK. Et va pas faire opé. Nous n'étions pas peur de faire au père, M. Sénatus. Parce que il y a avancé là. Pas peur de faire au père. Dans sa suite, il y a fait au père. Non, Bob, je ne pas comme nous avons fait peur de la mesure où m'a dit la loi. Moi, je suis lis article 194.2. Il dit avant d'entrer en fonction, avant de. Même ça pour nous veiller, ça pour la population veiller. Et si on n'a pas conseil électoral permanent? Non. Si vous finissez évoquer l'article ça et puis en guise de réponse, je veux faut qu'on ait aussi membre conseil électoral provisoire. Même constitution ça, qui prévoit un conseil électoral provisoire et permanent, il dit non disposition générale, disposition transitoire logistique, en attendant que établissez un EP permanent. Toute prérogative qui est liée avec SEP permanent, il est revenu à donc il y a la même nature, il y a la même mission, il y a la même privilège. Même mission, effectivement. Okay. Maintenant, si y a les, il n'y a pas bien de serment, il y a le chita en roi, il y a une situation en position de violation de la loi pénale, il y a une usurpation de titre, et si on arrive, on va gagner l'État. Une situation d'association de malfaiteurs. Non, mais Kounia. D'accord, sénateur Sanatus. Vous n'avez pas une possibilité pour que prestation serment faite, toujours faite, malgré le président de la nation. C'est une question qui est hautement technique que me préparer. Vous pensez extrêmement important pour que la Cour de cassation était vigilante. Pour la population était vigilante. Donc, cassation avec vigilant par rapport à la constitution, c'est que ça, émission qui est inconstitutionnelle. Président Jovenel capable de dire la passer à poste là. Et puis, à soir, avec minuit, 1h du matin, il organise l'élément de cassation, recevoir prestation de serment. Si cassation a pris un piège là, organiser les prestations de serment, cassation à poignarder la population. Mais ça aussi, c'est une possibilité que je pense en stratégie politique que le palais national a planifié dans le moment de la pandémie. D'accord. Eh bien, merci un peu, sénateur Sénatus. Bon plaisir pour me parler avec vous, monsieur. Bon travail, bonne journée.